France, sur les rives de l'Ariège. Cette rivière est capable d'accueillir le saumon atlantique qui avait disparu de nos cours d'eau au milieu des années 70. Si les saumons remontent les rivières à contre-courant, ceux qui œuvrent à leur préservation se remontent les manches pour les aider à franchir les nombreux obstacles qui jalonnent leur odyssée dans l'Ariège. Et s'il n'y a pas le compte, ils envoient directement ces salmonidés mâles et femelles célibataires dans des zones favorables à la reproduction. Il n'y a pas assez de saumons qui se reproduisent tout seuls de manière naturelle. Donc nous sommes obligés, à partir de poissons sauvages, d'effectuer de la reproduction artificielle et d'emmener ces petits poissons dans la rivière de manière à compléter le stock. Et quand l'homme aide la nature, elle le lui rend bien. Aujourd'hui, nos résultats sont plutôt satisfaisants, voire même très encourageants. Le saumon revient dans nos cours d'eau. Et notre objectif, c'est que nous n'ayons plus rien à faire et que la nature fonctionne toute seule.